m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la t'étais pas né à la station balnéaire, tu t'es pas fait briller, j'étais gant de crin, je sais. Pour un peu. Et voilà les amis, le sommet du Grand Vémont, le sommet du Vercors. Histoire de... Alors je vous explique l'histoire. Il a plu toute la journée. Un truc de fou. Et habille-toi, déshabille-toi, j'avançais pas. Si bien que je devais faire le Grand Vémont, mais les idées de pas le faire. Et j'ai planté mon bivouac à 6h. À 6h, c'était installé. Et 6h, je me faisais bien chier. Et tout d'un coup, waouh, un grand soleil. J'ai tout plié, j'ai mis, il était 6h, j'ai mis une heure et demie à monter. Bon, ça ne veut pas dire grand chose si on ne connaît pas la distance et le dénivelé, mais je peux vous dire que Kylian Jornet peut aller se rhabiller. Et là voilà, c'est le sommet en récompense, le Mont Aiguille, une des figures de proue du Vercors. Ah putain, je suis heureux. Voilà, donc là il est 7h30, c'est l'heure de l'apéro, mais je suis loin de l'apéro, il va falloir que je redescende, et je sais pas bien par où, en plus ça va être dans les nuages j'ai l'impression. Je vais essayer de suivre mon GPS pour arriver dans la vallée. En tout cas, je suis super heureux, c'est super beau, mais regardez-moi ça. Oh, j'arrive pas à zoomer, putain, mon iPhone de merde. Allez, je vous fais les bisous, à plus. Ciao. On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique.